squat de 0 à 100. Pas mal. Voyons si ça te suffit pour rester en tête. Contre un tel talent. Hey Mac, vous étiez où tous les deux? Raph, ça fait pas ce que je voulais. Du coup, on va à la concession pour trouver. Ça va, bébé. Elle ne le pensait pas. Maintenant, il faut que je te mette une raclée. Premier à l'aérodrome. Tu prends les rues et moi les chemins. On va voir si je suis là. Comment ça? On touche le pactole et on humilie Navarro. C'est pas le rêve, ça? Je te connais, Mac. Y'a autre chose. Ça y mène une croisade, ok. Et toi, ça m'étonne. Alors, je t'explique, Jess. Quand on s'est séparés, j'ai pris collé à droite à gauche, parfois même, c'était pour le corps. On a joué, on a perdu. Mais t'as fait ce qu'il fallait. Venir en Amérique, c'est un pari osé. Le reste, il reste pas grand chose à jouer en sachant qu'on va y arriver. Tu mènes ta barque, Jess. T'as pas besoin de nous. Alors pourquoi t'es là? Faut bien veiller sur Ty. Affronter les mystiques pour accéder à une course impossible. Il a la rage et fait une zigzag sur Navarro. Il aura besoin de nous. Donc tu crois qu'on a une chance? Après le fameux coup dur, il a disparu pendant 6 mois. S'il revient, c'est tout le temps pour pouvoir gagner. Et je laisserai pas l'un des nôtres mener le combat tout seul. Ha! Je le savais! Manquait. Écoute, Mac. T'en trouverais pas les cons, je serai derrière vous. Je le fais pour vous deux, pas pour la gloire. Je te connais, Jess. Tu sais bien que tu ne pourras pas te retenir. Oh ouais. J'avoue, je pensais pas que tu y... Hey, Raph, on est où? Belle bagnole que t'as là, Mac. Pourquoi tu la mets pas au garage? J'arrive.
J'ai fait de la place pour vous trois. Laissez vos bagnoles ici et servez-vous de ce que vous voulez. Réglez-les, repeignez-les, affinez votre style. Mais installez d'abord des pièces pour voir s'il y a moyen d'améliorer leur performance. Il y a des pièces un peu partout dans l'atelier. Rangez juste chaque outil à sa place, compris ? Du nouveau, Rav ? Je sais qu'il y a deux ligues valables dans le désert. La première, c'est une ligue baptisée Graveyard Shift. La chef, c'est la Katrina. Des gamins, hein, rien suicidaires, qui aiment se mettre en scène. Mac, la deuxième ligue est pour toi. Ligue 73. Un crew tout-terrain mené par un enfoiré de première appelé Udo. Leur dernier passe-temps ? Or, c'est qui en premier ?